ultimement. Donc j'attends vraiment des explications sur ce point. Eh bien, je vous les donner. C'est simple. Vous savez, en droit français, puisque vous êtes avocate, quand quelqu'un qui a signé des actes notariés ne respecte pas ses échéances, qu'est-ce qu'on fait? On saisit les tribunaux. Mais je pense non, que je vous ai laissé parler, mademoiselle. Mademoiselle, je vous ai laissé parler. Quand on, à ce moment-là, d'abord, nous avons envoyé du papier bleu dans toutes les sociétés du Sheikh Al Jaber. Parce qu'il y a deux solutions dans ces cas-là, puisqu'on va passer au tribunal dans quelques jours. Dans quelques jours, soit le Sheikh Al Jaber paye, soit le tribunal casse comme il se doit la vente, bien entendu en imposant des pénalités de retard, et le Sheikh Al Jaber perdra également tout ce qui a déjà été versé. Et derrière, vous avez, allez, 3-4 parmi les plus grosses sociétés françaises et étrangères qui attendent une chose, c'est de reprendre l'opération. C'est pas quelque chose qui nous gêne outre mesure.